Intranquillité, une revue qui est conçue comme une boîte noire qui capte des vibrations du monde entier. Née en 2012, l'année de la première parution, de la première livraison du numéro 1, et qui était consacrée essentiellement à la figure de Jacques-Stéphane Alexis, auteur d'exception, qui a écrit « Romancero aux étoiles »,« L'espace d'un ciment »,« Gouverneur de... » Pardon, c'est « L'espace d'un ciment »,« Compère général Soleil ». Et on a fait un numéro, justement, où il était au cœur, parce que c'était les 90 ans de sa naissance. L'année qui a suivi 2012, c'était les 50 ans de l'anniversaire de sa mort. Et donc, on voulait célébrer, de préférence, la naissance de cet auteur qui est un petit peu tombé dans l'oubli en France. Le numéro 2 est publié l'année suivante, en 2013, essentiellement sur Borges et Che Guevara, des figures comme ça qui ne pourraient pas, on dirait, s'embrasser tout de suite. Mais dans la revue, tout ça, on leur sens virtuellement épuisé. D'où aujourd'hui la parution de ce hors-série des meilleurs moments du numéro 1 et du numéro 2. Et c'est de toute beauté, qui est complètement revisité, avec l'apport important de Zulma, qui assure la diffusion de manière magistrale. Et ce numéro, justement, précède un numéro exceptionnel, ce qui est le numéro 3. Qui était paru et qui était lancé ici à Saint-Malo l'année dernière, et qui était c'est une revue le numéro 3 en question, avec une couverture de Pierre Soulages, et qui rassemblait plus de 200 contributeurs, et avec des figures, des contributions de photographes, de poètes, de romanciers, de géographes, de peintres. C'est vraiment dans l'union libre des genres. C'est l'explosion des imaginaires par le prisme de la beauté. Et c'est une revue justement qui prend sa source dans un lieu qui n'est pas évident, qui est Haïti, grande puissance de l'imaginaire. C'est une revue que je porte avec ma complice, Pascale Mounin, qui est à la fois ma compagne, et elle est une artiste extraordinaire qui a exposé partout à la Biennale de Venise et récemment au Grand Palais, dans le cadre justement des 200 ans de la peinture haïtienne. Et puis il y a Barbara Cardone qui l'accompagne au niveau de la direction graphique. C'est toute une synergie comme ça qui accompagne cette aventure. Et le mouvement est comme thématique importante à Saint-Malo, mais ça nous parle beaucoup. Et d'abord parce que le festival, on ne doit pas se voiler la face, ça nous a beaucoup inspiré. Moi, quand j'avais l'idée de faire la revue, je voulais faire une revue à la fois qui nous ressemble, parce que au niveau, on peut dire que Pascal et moi, nous voyageons beaucoup et nous sommes des étonnants voyageurs et très étonnés de ce festival. Et donc, ça fait 5 ans que je viens ici régulièrement. Bon, avant, c'est-à-dire avant la création de la revue. Donc je venais ici et par le biais de ce festival, j'ai fait beaucoup de rencontres étonnantes. Je me disais comment rassembler à travers mes voyages, à travers les rencontres du festival de nos voyageurs, comment rassembler toutes ces présences, comment les concentrer en même temps dans un lieu qui pourrait être, par exemple, un rêve déguisé en revue. Et c'est ce qui a donné lieu à Intranquillité. Donc le mouvement, pour nous, malgré nous, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle, parce que je viens d'un lieu qui a tremblé. Donc j'ai connu le mouvement de l'intérieur. Et puis en même temps, comme les murs ont tombé avec ce mouvement,
bien, on voulait en même temps inscrire tous les vents du monde par cette révolution de murs, de la chute de tous ces murs. Et je viens aussi d'un lieu qui est considéré comme une île, ou presque, parce que Haïti partage le même territoire, la même terre que la République dominicaine. Donc ce n'est pas tout à fait une île. Donc on ne voulait pas nous embarquer dans des clichés et insularité par rapport à ces gens justement des îles. Moi, je viens d'une ville enclavée. Pour moi, c'est une île entourée de mer. Donc du coup, insularité, intranquillité, c'est une manière de nous inscrire même dans une forme de négation même de l'insularité. C'était pour contrarier les clichés et entrer dans l'air libre d'une île monde. Et donc le mouvement nous inscrit dans le sable mouvant de l'imaginaire, c'est ce qui est pour nous avant tout fondamental. Donc c'est en toute urgence justement qu'on s'inscrit, qu'on approuve justement la thématique du mouvement loin du speed et de tout ce qui caractérise ce monde justement assoiffé de vitesse. Nous, on fait une revue annuelle en même temps pour proposer un temps de répit pour pouvoir souffler et respirer dans la beauté. Bon, je suis un garçon un peu contrarié. Partir avec quelqu'un comme Pessoa, et le livre de l'intercalité sous le bras, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Et d'ailleurs, intercalité, bon, c'est une forme aussi de clin d'œil à l'homme.